Un Ouais, moyen comment de. ça joue alors? Comment? En fait, là, c'est la sélection des maps solo. Donc, doit y avoir moyen de switcher sur les maps. Attendez, je vais faire tout. Voilà. Et fais tous les boutons, hein. Non, ça c'est un screenshot. Savez quoi, je vais mettre mon jeu en anglais. Alors. Ah oui, faut que je mette Steam en anglais, putain de merde. C'est où encore? Hop, hop, hop. Se trouve, c'est ça, hein? Pour être honnête, les mecs qui font les traductions du jeu de Age of Empires, ce sont des gros cons. Et pourquoi je dis ça? Parce que confondre guerrier aigle et hussard, faut le faire. Donc oui, ce sont des gros cons. Donc on va voir si le jeu est mieux que... Et ça se trouve, il manque juste de boutons parce qu'on joue en français, ça se trouve. Donc je vais vérifier. Tu vas lancer le jeu en anglais pour voir? Bah oui. Parce Vas-y, bah dis-moi. Parce que les gens qui traduisent le jeu sont cons. Donc, voilà. Et après, faire une faute d'orthographe, oublier un truc vite fait. Mais confondre deux unités du jeu qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais pourquoi mon jeu est en... The fuck? C'est dans les options? Interface? Ah oui. Putain, bon, bah, j'ai lancé Steam pour rien. Confirm. Quick play. Ça change. Si, voilà! Ils ont fait une erreur dans la traduction en français, ces abrutis! Alors vas-y, explique. Il y a un putain de bouton pour choisir les maps de team! Là! Mais c'est quoi le bouton? Mais virer cette équipe de merde! Ils savent pas traduire le jeu, ils oublient des boutons d'interface, comment c'est possible? En fait, c'est un bouton qui se situerait en dessous de l'équipe. Non, au-dessus! Quand tu choisis la map, au-dessus t'as 1v1 team! Ils ont oublié un bouton, ces crétins! Enfin, deux même! Mais quelle bande de cons, franchement! J'ai pas regardé, attends, je regarde sur ton stream, comme ça je le verrai, Mais comment c'est possible d'être stupide à ce point? vas-y, attends. Putain, mais virez le mec, quoi! Ah, t'as Virez-le! vu là-haut, putain, d'accord. Virez-le! C'est pas en français, ça! Je vais vous montrer, hein, s'il était pas en français, hein. Non, il y est pas en français, je te le confirme, regarde. Je vais carrément enregistrer, je vais faire un clip de cette merde, hein, parce que j'en peux plus, hein. Déjà, ils confondent hussard, guerrier, aigle, comment c'est possible, enfin bref, soit. Mais ils ont oublié des boutons quand ils ont traduit le jeu! Comment c'est possible? Putain! Attends, t'es où? Explode, je te renvoie, mais en effet, hein, Ils sont cons comme leurs pieds! c'est C'est confirmé. des crétins! C'est des putains de crétins! Putain, même moi qui suis un dev de merde, j'oublierai pas une fonctionnalité pareille quand je traduis un truc, quoi! Putain! Oh, mais c'est pas possible! Et le pire, en plus, le pire, c'est que c'est mal foutu aussi, parce que comment ça se fait que le bouton disparaisse? À la limite, qu'il n'y ait pas de texte. Et qu'il y ait juste les boutons. Genre, quand j'étais en train de coder mon putain de programme de ticketing de merde, là, que j'ai arrêté de programmer parce que le directeur a dit qu'il en avait rien à foutre. Donc bon, voilà. Et qu'il préfère que je fasse des ordinateurs, comme il aime bien le dire. Enfin, bref. Donc, déjà, il y a. Même moi, je le fais mieux. Moi, il y a des fichiers. C'est pas En compliqué. réalité, faut jamais jouer à des jeux traduits, faut tout le temps jouer en anglais, c'est triste quand même. Putain, c'est fou. Moi, quand je programme mon truc, mon logiciel est traduisible en plusieurs langues. C'est tout simple, c'est tout con.
En gros, j'ai un fichier, j'ai un système qui va chercher une variable. Et en fonction de ce que vous avez configuré sur votre serveur, vous savez choisir la langue que vous voulez, ça va chercher le bon fichier. Si vous n'avez pas mis la traduction, c'est pas grave, il va rien mettre, il va juste laisser le bouton tel quel. Mais le bouton, il sera là. Là, le bouton, il est même pas là. Putain de bordel de merde. C'est... C'est dur, hein. Ouais, vas-y, fais tes bannes. Putain de merde. Alors, pardon si j'ai vraiment... Ils m'ont les boutons là au-dessus en français aussi, ils y sont... Mais virez ce mec, hein. Je sais pas qui traduit ce jeu, mais virez-le, quoi. Après, on dit, ouais, mais il a peut-être pas eu le temps, ouais. Comment c'est possible? C'est pas... Je me suis tellement énervé que j'ai chaud, maintenant. Oui, j'ai t-shirt blanc en dessous de pull bleu, du coup, ça se voit pas. Mais c'est... Waouh. Non mais... Ah oui non, en fait non. Et en fait donc c'est bien les... Et donc c'est juste les mecs en français qui sont des crétins. Parce que regardez là, Tatar par exemple, la liste des unités, elle est... enfin la liste des informations est super longue et on voit les unités uniques. Elles sont là, on les voit. En français, vous ne les voyez pas. Ils savent juste pas, ils savent pas travailler. Microsoft, embauchez-moi, s'il vous plaît. Faites ce que vous voulez, mais c'est pas possible. J'ai un niveau d'anglais qui est exceptionnel. Non, j'exagère, mais quand même. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que je trouvais pas l'info, en fait. Y'a personne qui joue en français. En fait, c'est ça, ouais. Y'a personne qui joue en français, donc du coup, personne l'a révélé ou j'en sais rien. C'est le même problème qu'il y avait sur Path of Exile. C'est quand même chaud, quoi. C'est dans Path of Exile, si vous jouez en français, il manque des informations dans les skills. Putain, ça se trouve, c'est la même team. Ça se trouve, c'est la même team. Mais cette boîte de traduction doit fermer, pour l'amour de Dieu, quoi. Ils s'intéressent pas aux jeux qu'ils traduisent, en fait. Oh, c'est incroyable!